quand virer à gauche pour viser le milieu de la rivière. Ouais, très bien prévu. Donc on arrive au port d'Etel. On va passer la barre d'Etel, on a eu le sémaphore d'Etel qui nous donne les instructions. Allez, à tout à l'heure. Donc, port d'Etel avec la barre d'Etel. Est-ce que tu vas percevoir l'espace rouge qui va le milieu de la rivière rentrée? Le petit espace rouge qui est dans le milieu de la rivière. Ah ouais, je le vois. Ok, et bah, vous prenez dessus. Depuis un moment, on était en attente d'instruction. Voilà, donc là, on est dirigé par le sémaphore des têtes. Pour l'entrée de la passe, c'est le sémaphore qui nous dirige. Ensuite, ce sera. Je disais ensuite ce sera le port, mais pour l'instant c'est le sémaphore, sachant que le banc de sable bouge tous les jours, donc voilà, c'est ça qui dirige les bateaux pour la passe, pour l'entrée de la passe.
Stéphane. En fait, le confort pour Christelle, c'est d'avoir de l'eau. Ouais. L'eau douce, parce que l'eau de mer, elle m'a dit j'en ai plein le cul. Non, c'est pas vrai, mais j'adore étendre mon linge sur mon bateau. En fait, c'est pour ça. Voilà. Regarde, ça sèche. Donc là, effectivement, on a l'eau et l'électricité. Et alors, un truc de fou, il fait beau. Mais non seulement il fait beau, mais il fait 35 degrés. Voilà. Donc là, le gros, comme je dis souvent, issue. Et je vais vous faire une petite vidéo là, derrière, vous allez voir. C'est juste impressionnant. Je sais pas si on le voit, mais il y a un poisson. Tiens, là, il y a une crevette. Et là, il y a un poisson jaune. Alors ça, c'est des espèces de d'anémones. Il y a un poisson jaune avec une tête noire. Est-elle 16h. Il y a du soleil. Et des nanas. Et des nanas. Donc on a décidé d'aller faire un petit tour en annexe avec le moteur électrique, donc, que nous avons acquis il y a quelques jours. Et comme dirait Stéphane, c'est le, voilà, le moteur nucléaire du Thierry. Voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal. C'est pas bruyant. Nous, on est de l'autre côté. Là, on va sur la rive. Nous allons accoster près des bateaux. Voilà, de l'autre côté sur la plage. On entend ? Et on n'entend rien. Si on entend un peu. Oui, on entend un peu, c'est vrai. Mais... c'est super top. C'est chiant les vacances. Bon. Qu'est-ce que tu dis ? C'est chiant les vacances. Oh, c'est vrai que c'est chiant. Là, c'est pas beau. Hein. Ah puis non, là c'est pas beau du tout, est-elle. Non, 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 non. Comme d'habitude, hein, tous les coins qu'on fait là, noir de monde, on vous les conseille pas. Alors, là, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ben voilà. Allez, bon après-midi à tous. Elle est chaude. Ouais, j'ai vu. Le capitaine est à l'eau. Il est complètement dans l'eau. Oh putain, ça rase. Tellement chaud dehors que dedans. Bah oui. Non, je sais pas combien elle est. Je pense 16, 17. Je sais pas. Bon, en tout cas, ça lui fait du bien. C'est le principal. Oh, il va remonter. Hop là, on dirait un petit cormoran ou un phoque. Vestige d'un bateau en bois. Alors c'est juste magnifique. J'imagine la qualité du travail des gars et des matériaux, parce que même s'il est complètement déchiqueté, il est les clous sont toujours alors rouillés, mais ils n'ont rien perdu. Les bouts de bois, ben
Ouais, quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi on n'a pas récupéré à l'époque les bouts de bois pour faire autre chose? Parce que là, il y a des sections, il y a tous les traverses là. Ça doit faire 7-8 cm. Et ceci à poil. Voilà. Et là, il y en a d'autres. Là, un autre. Même les planches, là. Oh, moi, je viens là. Moi aussi, j'habitais plus sur un bateau, mais là, je récupère ça. Je me fais un établi. Oh, non, il refait un autre bateau. Et là, avec la récup de bois. Une section de malade, quoi. Oh, puis l'arrière, c'est magnifique. Oh, bon, je te fais une cabane de jardin pour les gars. Géante. J'ai aucune idée combien d'années ça peut avoir. Ça. Je pense que c'est des anciens tenues. Celui-là, il a mal vécu. Mais même, on voit. Pièce principale. On pourrait en faire, c'est ce qu'on appelle une figure de proue. Celui-là, il y a des asticots et des anciens de mettre le feu dedans. Oh, les jeunes! Bon, ils n'ont pas essayé, ils ont réussi. Là, on est de l'autre côté d'Etel. On est venu avec notre petite annexe. Avec notre petit moteur nucléaire. Nucléaire parce que on fait plus de bruit. On a investi dans de la batterie. On fera une petite vidéo peut-être pour montrer l'intérêt, l'avantage et l'inconvénient. Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. L'inconvénient majeur étant le prix. Voilà. Donc sinon, bah voilà, c'est nord du monde. Il pleut. Bon, par contre, il n'y a pas de vent. Et comme demain, ils ont annoncé 40 nœuds, bah, du coup, on s'est dit, pas de navigation. On devait aller à Lorient et finalement, on est à Etel. Et on regrette pas. Ce soir, il y a un petit resto, on est déjà venu la manger. On va se prendre une série d'apéros et des crevettes.